Hélène, les symboles peuvent-ils entrer en dialectique? Tu me pardonneras de te dire que je ne comprends pas du tout celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu m'expliques, j'essaierai de te répondre. Entrer en dialectique, ça veut... les symboles, lesquels symboles d'abord? Parce que, est-ce que c'est quoi? Quels symboles? Ben alors, par exemple, on a les symboles religieux, on Oui. a les symboles ésotériques, on a les symboles mystiques, on a les symboles conceptuels, on a toutes sortes d'éléments qui sont traduits en symboles. Alors, d'un côté, j'aurais envie de te dire, est-ce que les symboles de la chrétien, musulman et juif peuvent-ils un Ah, jour c'est ça que rentrer tu en voulais dire. dialectique pour, par exemple, créer une sur-religion ou une hyper-religion? C'est ça que tu avais comme arrière-pensée, là. Voilà, et en même temps aussi, par exemple, toute la partie soi-disant initiatique, ésotérique que peuvent avoir les loges ou les écoles mystiques depuis Pythagore à nos jours. Mais rien. D'abord, pourquoi ce serait impossible? Ce qui le rendrait impossible, c'est évidemment, tu veux dire, en dialogue plutôt que dialectique. Dialectique, si je ne me trompe pas, d'Aristote, c'est le conflit qui amène, la thèse, l'antithèse qui amène C'est à ça la que tu veux. synthèse. Oui, bon. C'est pas interdit, hein? Ou plutôt, c'est interdit, c'est pas impossible. Je vois pas ce qui pourrait. Ce qui s'oppose à ça, c'est le fait que chacun a besoin de s'identifier à ses propres idoles. Ce sont les idolâtries, si je peux dire. Chacun ses idolâtries. Et que les hommes ont certainement besoin d'entretenir des hostilités, c'est-à-dire de fonctionner par inclusion et exclusion. Donc, alors on appartient à telle religion ou à telle race ou à telle nation, enfin, ou telle, voilà. Et on entretient des systèmes qui sont des systèmes d'exclusion. C'est même pas des systèmes d'inclusion. C'est qu'on arrive à se penser qu'à condition d'exclure l'autre. Mais il n'y a pas d'impossibilité rationnelle, non. Bien sûr que non. Pas de raison de ne pas trouver des langages communs. Et pouvons-nous imaginer les symboles, que les lettres sont des symboles, et grâce à ces symboles, nous en créons une grammaire, et de ces grammaires, nous pouvons créer des langues, des poésies, des romans, des fictions, des articles. Est-ce que les symboles eux-mêmes pourraient un jour être en connexion telle pour nous livrer un nouveau moyen de communiquer? Mais tu sais, est-ce que je peux te dire que ça existe? C'est-à-dire que nous avons les langues. Et que, par exemple, la plupart de nos langues occidentales descendent de l'indo-européen. C'est-à-dire que nous avons une sorte de langue commune, originaire, immense, et que les langues qui sont parlées sur la surface de la Terre, sont en communication, sauf que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, s'introduisent les unes dans les autres, s'entendent ou se mésentendent à l'infini. Et on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est un système de symboles infini. Connaissons-nous la proto-langue? Tu sais, ça, c'est l'histoire de Babel, hein? Il y a des langues originaires, si je peux dire, primitives, qui ont donné naissance aux autres, dont l'indo-européen et d'autres systèmes de langues qui sont comme des langues ancestrales. Hein. Bon. Alors, oui, moi je pense que les linguistes sont capables de remonter au plus près des langues originaires. Il y a le sanskrit, je veux dire, il y a. J'ai cru entendre que le tamoul est une des proto-langues. Ça, j'en sais rien. Alors là, tu vois, je ne sais pas. Il y a des langues dont on ne sait pas du tout d'où elles viennent. Il y a quelques langues. On sait que le basque, on ne sait pas d'où il vient. Le hongrois est une singularité. Enfin, il y a bon. Mais donc rien n'empêcherait que. Enfin, rien n'empêche d'ailleurs les linguistes sont certainement des. Et les polyglottes, puisque ça existe, hein, je connais beaucoup de gens qui parlent avec la plus grande aisance, un très grand nombre de langues, parce que justement, ils ont en eux la capacité de retracer
ramifications et les connivences qui circulent d'une langue à l'autre. Ce sont des êtres qui certainement sont très hospitaliers aux autres. Mais nous pratiquons l'inhospitalité et l'hostilité. Donc on se replie comme ça sur des langues nationales. Et on essaye d'éteindre le maximum de langues, alors qu'il y en a encore des milliers sur la Terre. Je comprends. En Papouasie, un cinquième des langues parlées sur Terre, juste sur cette île-là. Oui. Et revenons aux symboles religieux. Penses-tu qu'un jour, nos trois grandes religions monothéistes pourraient devenir une hyper-religion ? Mais non. Mais en plus, ça ne m'intéresse pas tellement. Je veux dire que... il n'y a aucune raison, ça ne pourrait se faire qu'au terme d'une guerre, d'anéantissement. Donc, je pense qu'il faut laisser les gens parler leur langue, pratiquer leur religion, et s'émerveiller de se ressembler. Voilà. Tu disais... Il n'y a aucune raison de le totaliser, d'unifier. Tout ce qui est un est mauvais. Voilà. Il faut pluraliser à l'infini. Donc le monothéisme n'est pas forcément alors, est mauvais par rapport au polythéisme. Ah, s'ils se considèrent comme impérialistes, oui. D'ailleurs, c'est le grand problème. Et puis, il y a des monothéismes qui se... Il n'y a aucune raison, justement, pour que qu'ils développent un empire. Et pourtant, les trois grandes religions reconnaissent volontiers qu'elles parlent du même Dieu. Bien sûr, mais à condition qu'on les laisse parler leur langue. Et comme tu le sais, elles s'opposent violemment. C'est-à-dire que pendant des millénaires, les monothéismes chrétiens ont combattu le judaïsme. Maintenant, il y a des alliances au contraire. Il y a des alliances entre le christianisme et le judaïsme contre l'islam. Et inversement, enfin, c'est sans fin. Hein. Donc ils sont déjà en dialectique. Dialectique, oui, si tu veux, oui, oui. De toute façon, puisqu'ils sont abrahamiques, hein. Qu'ils reconnaissent, enfin qu'ils ont le même Dieu, les mêmes prophètes. Et en même temps, chacun pour soi. Hein. Non, ce Dieu-là est à moi, non, il n'est pas à toi, etc. Et donc, quand tu disais que les religions sont des fables et des métaphores, disent-ils la même chose, malgré tout, vraiment ? Il y a beaucoup de choses qui sont communes, oui. Mais c'est sur des modèles aussi, ce sont des modèles qui sont quand même très... ce sont des modèles patriarcaux, hein. Toujours un modèle patriarcal. Et penses-tu que ils ont procédé par inclusion ou exclusion entre eux ? Mais ils procèdent par exclusion. Et par annexion, par exemple, le christianisme se considère comme la religion mondiale, enfin le catholicisme, jusqu'au moment où il y a des scissions avec les protestantismes qui en même temps font scission les uns par rapport aux autres, etc. Et bien sûr que chacun considère être la religion révélée. Les juifs croient à l'élection, les catholiques croient qu'ils sont la religion universelle, etc., etc. Et l'islam aussi. Avons-nous le même problème dans les religions asiatiques ? Je pense que là, on a... D'abord, là, il y a une diversité qui... Le bouddhisme, par exemple, est quand même... qui est une religion, il y a quand même une philosophie. C'est-à-dire que je ne pense pas que le bouddhisme, par exemple, cherche à être une religion qui prend le pouvoir politique. Et c'est une religion pensante. Alors, il y a beaucoup de ces cultes asiatiques qui sont plus du côté de la philosophie que du côté de... du pouvoir, je dirais, de la domination des peuples. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, en même temps, chacune traite quand même, et ça se comprend, de la question de la mortalité. Hein. Chacune essaye de trouver, enfin, de une parade à la mortalité. Chacune essaye de trouver des voies vers ce qui serait de l'ordre de l'immortalité. Donc les religions peuvent-elles être nommées ainsi comme des élaborateurs pour la mort ? Mais bien sûr, mais c'est de là qu'elles viennent. Hein.
Et comment en même temps dire, par exemple, le bouddhisme au Tibet, le Dalai Lama, qui était le chef suprême du Tibet, malgré tout, il y avait de l'esclavage, il y avait de la peine de mort, et ils ne traitaient pas forcément leur peuple de façon aussi philosophique qu'on pourrait le croire. Mais ça, ce sont des déviations. Parce que si on prend par contre les textes ou la parole des prophètes, etc., il n'y a pas ça. Enfin, je veux dire que Bouddha n'est pas du côté de l'exploitation des hommes par les hommes. Ça, ce sont les rois catholiques ont réduit les autres en esclavage. Quand les protestants avaient le pouvoir, ils faisaient la même chose, etc., etc.